ça restera, je pense, une des choses principales pour les instruments de musique, parce qu'il en existe en plastique, mais le plastique, c'est pas bien. Donc, ça fait presque 5 générations qu'on est une famille de soit de musiciens ou de mécaniciens. C'est mon grand-père qui a créé l'Olifant. L'Olifant est anciennement un instrument fabriqué à partir d'une défense d'éléphant, d'où il tient son nom. Mais il l'est plus souvent dans des cornes de bovidés ou en métal. Capable de ne produire qu'un son, il servit aux différents signaux de chasse et de guerre à travers les siècles. Mais c'est aussi le premier instrument à vent et surtout le nom de la boutique de notre cher Arthur. Je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir suivre le parcours que ses aînés ont donné. J'aime bien mêler modernité puis tradition, prendre le meilleur des deux. Nous, on est artisans, donc dans l'artisanat, il y a aussi tout le plaisir de fabriquer son instrument, de pouvoir le suivre. Chaque pays a une esthétique sonore aussi. Si on va jouer en Allemagne, par exemple, ça va être des instruments un peu différents d'en France. Les professeurs, il y a toute une philosophie différente selon les pays. Souvent, quand un artiste et puis un grand facteur d'instruments se lient, eh bien, ça se ressent après dans toute la culture et tout se propage. Et ils furent nombreux dans l'histoire à ne faire qu'un avec leurs instruments. Louis Armstrong, Sidney Bechet ou encore Manu Dibango à faire swing. Ou, pour les plus mélancoliques, comme Maurice André, célèbre trompettiste français, à faire pleurer. Mais gardons toujours ces paroles d'Arthur à l'esprit. Chaque humain est différent, donc chaque instrument, en grosso modo, doit l'être. Mais lorsqu'on joue, il va y avoir des dépôts qui vont s'accumuler à l'intérieur. Donc il faut faire un nettoyage, mais c'est assez délicat. Parce que si on enlève tout, eh bien on vide l'instrument. Il va perdre aussi de sa qualité acoustique. Des instruments qui sont fabriqués en général en Asie avec des procédés vraiment industriels sonnent beaucoup moins bien que les instruments qui sont fabriqués à la main. Par exemple, j'essaie de plus en plus de trouver des alliages, des outils ou des choses pour l'atelier qui sont écolo, parce que c'est très important déjà pour moi, parce que si on veut continuer notre métier, le laiton, ça fait bosser des usines qui polluent, toutes ces choses-là. Bon, le laiton, ça restera, je pense, une des chose principale pour les instruments de musique, parce qu'il en existe en plastique, mais le plastique c'est pas bien, donc voilà. Mais même dans tout l'étain qu'on va utiliser, le gaz, les manières de souder, de braser, tout ça, essayer d'être innovant sans dénaturiser l'essentiel du produit. D'ailleurs, l'une des parties essentielles des instruments à vent est l'embouchure. C'est un petit peu comme la chaussure d'un randonneur. Elle épouse la forme des lèvres du musicien et lui procure un confort adapté à sa façon de souffler et de jouer les aigus et les graves. Ça, c'est les embouchures qu'on fabrique. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est un peu nos petits bijoux. Et chaque musicien, après, peut choisir par rapport à la forme de ses lèvres ou au jeu qu'il veut faire, la cuvette qui correspondra aussi au style de jeu qu'il veut avoir. Donc il y en a qui sont argentés, donc ça va apporter une certaine sonorité aussi. Il y en aura d'autres qui seront orifiés, donc ça va apporter un peu de chaleur dans le son. Et ça, c'est un alliage aussi qu'on a trouvé, donc c'est de l'or noir qui est chauffé. C'est de l'or qui est chauffé à très haute température qui lui donne cette couleur noire et qui va apporter une vitesse d'air un peu plus rapide. C'est un métier qui est très vieux, donc de pouvoir le transmettre. Par exemple, là, il y a eu le drame de Notre-Dame. Bah, sans tous les compagnons, sans tout ce partage, on ne pourra plus reconstruire de telles œuvres.